quelle blague! Une femme chef de la police? Moi, je vais déposer plainte au lieu que ce soit un homme comme moi, hein, qui prend ma plainte. Inspecteur Bako m'amène une femme pour prendre ma plainte, soit disant que c'est son chef. Ah, Kombo! Qu'est-ce qu'il vient encore faire? Qu'est-ce qu'il vient encore me dire comme nouvelle? Qu'est-ce qu'il vient m'annoncer encore comme mauvaise nouvelle, ce Kombo? Non. Hey, je vais parler à mon tonton, là. Je vais parler à mon tonton. Aïe, aïe, aïe. J'espère que cette fois-ci, c'est pas le monde qui s'est écroulé à Mamoudzou, là-bas. Je l'attends. Avec lui, on s'attend à tout. Bon, allez, qu'il vienne. Bon, il arrive doucement. Il faut que j'aille là où on mange bien, là où on dort bien, là où on oublie tous les soucis. Bonjour tonton, alors comment tu vas depuis hier? Hier je suis pas passé chez toi, comment tu vas? Bonjour Kombo, je vais bien merci. Que me vaut l'honneur de ta visite? Quelle nouvelle tu m'amènes encore là? Parce que à chaque fois que je viens ici je t'amène des nouvelles. Oui mais pas de bonnes d'ailleurs. Attends, tonton tu sais que... Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Je suis allé déposer plainte et inspecteur Bako a demandé à une femme de prendre ma plainte. Il paraît que c'est son chef. Une femme, chef de la police. Quelle blague. Quelle blague. Franchement, quelle blague. Ça me fait rire cette histoire. Quelle blague. Mais Kombo, le monde a évolué. Comment ça, le monde a évolué? Une femme peut travailler, peut devenir chef. Une femme peut travailler, comme je te l'ai dit, peut faire le même travail qu'un homme, peut devenir chef d'un service, maire d'une commune ou même président de la République Kombo. Tonton, est-ce que toi, tu oublies notre culture et nos coutumes? Hein, tonton? C'est même écrit dans le Coran, tonton. Une femme ne peut jamais être chef d'un homme. Impossible, tonton. Est-ce que tu connais l'expression qui dit... j'ai oublié, merde. C'est quoi déjà? Ah oui, femme au foyer. Femme au foyer. Tu crois que la personne qui a inventé cette expression l'a inventée pour rien du tout? La personne a bien réfléchi, bien creusé avant d'inventer cette expression. Femme au foyer. Mais Kombo, le monde a évolué. C'est la vérité. Alors grandis un peu. Grandir un peu. C'est trop tard. Je crois que j'ai assez grandi. Je ne peux plus grandir là. Mais non, abruti. C'est une expression. Dis-moi, est-ce que tu as au moins pu déposer ta plainte? Non, tonton, j'ai pas déposé plainte. J'ai pas déposé plainte parce que inspecteur Bako était sorti. J'ai pas voulu que cette dame prenne ma plainte. Donc, j'ai pas déposé plainte. Tu crois que moi, Kombo, aller déposer plainte avec une femme? Mais tu es... Mais complètement fou, Kombo. Tu es fou. On devrait te mettre la camisole de force, là. Comment on met dans les fous, là? Toi, tu attends que Machouma t'empoisonne pour que tu ailles déposer plainte une fois dans un cercueil? Tu sais ce que c'est un cercueil? Tonton, tu t'entends là? Oui, je m'entends. Est-ce que tu t'entends là? Je m'entends parce que là, je vois que tu es en train de t'empoisonner toi-même. Là, avant, Machouma t'a pas empoisonné parce que j'étais là. Maintenant que tu sais, tu vas pas déposer plainte parce que c'est une femme. Ça veut dire que tu es devenu fou. Non, tonton, c'est que... Tu sais, c'est une femme. Et moi, c'est une femme qui voulait me tuer. Moi, je crois que elle ne va jamais me donner une solution. Elle ne va pas me comprendre. C'est pour cela que je n'ai pas déposé plainte, tonton. Cette femme ne peut pas me comprendre. Ce n'est pas possible. Kombo, mon fils. On n'est plus à l'époque de Camis, ni Silgom, ni Félixa, ni Dissel. Le monde a changé, Kombo. On est en 2019.
Tonton, mais... Il n'y a pas de mais. Demain, à la première heure, tu vas aller déposer ta plainte, que ce soit... Écoute-moi. Tu vas aller déposer ta plainte, que ce soit une femme ou un homme, tu déposes ta plainte. C'est un ordre. Tu m'entends ?